tous. J'espère que vous allez bien. Ici, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, ce soir il y a quelqu'un qui va venir me rejoindre sur Instagram. Hello ami Instagram, hello ami Facebook. Pour venir chanter avec moi sur un de mes titres. Alors je ne vous dis pas encore qui c'est, je ne vous dis pas encore quel est ce titre, mais ça va arriver normalement si techniquement on arrive à se joindre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien qu'on est déjà le mardi 21 avril, 36e jour de confinement, et j'attends avec impatience de retrouver ma future partenaire. Vous savez déjà que c'est une fille, et je peux vous dire qu'elle s'appelle Sandy, et là voilà. Et donc je vais lui demander de venir nous rejoindre. Je baisse un peu la musique. Elle va arriver. Et c'est donc Sandy que vous allez voir apparaître, ami Insta, sur votre écran. Et voilà, Sandy, ça va? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends impeccable, Vincent. Hello, bonjour à tous. Je sais qu'alors nos amis Facebook t'entendent, mais ils ne te voient pas. Oui. Je mettrai évidemment la vidéo à disposition. Alors, est-ce que tu peux raconter un petit peu à nos amis, Sandy, comment ça s'est passé ta matinée, ta fin de matinée? Bah écoute, ma fin de matinée, ça a été vraiment une grande surprise puisque tu m'as contacté donc sur Messenger et en fait, je t'avais envoyé mes vidéos il y a quelques temps. Donc, je désespérais un petit peu. Je me suis dit, laisse tomber, il ne m'appellera jamais. Et en fait, j'ai eu la grande surprise que tu me contactes ce matin. Donc, c'était vraiment un truc de fou. Et je suis là devant toi ce soir, donc en direct. Je sais que beaucoup d'amis, beaucoup de monde, beaucoup de ma famille surtout me suit aussi ce soir. Et en fait, j'ai craqué le monde parce que j'ai dit, c'est pas possible. Vincent, Niclo, quoi. Mon ténor absolu. Et franchement, c'est un beau cadeau que tu me fais aujourd'hui, Vincent, parce que j'ai fêté mes 50 ans le 17 avril. Et voilà, je sais que tu le sais, puisque je te l'ai rappelé ce matin, je t'avais envoyé un dernier petit message. Et ça me touche énormément que tu m'aies choisi pour chanter cette chanson avec toi ce soir, parce que c'est un moment très particulier pour moi. Avec ce qui se passe en ce moment, je suis loin de ma famille, de mon fils, de ma maman qui est en fin de vie. Et en fait, je leur dédicace cette chanson-là que je vais faire avec toi. Et je la dédicace
explique à nous, à tout le monde aussi, au monde entier, avec ce qui se passe en ce moment, et particulièrement à toi aussi, puisque tu vas me donner cette opportunité, cette belle opportunité, et cet instant qui restera mémorable pour moi. Écoute, moi je suis très très content. En plus, alors pour expliquer à ceux qui nous regardent ce soir, c'est que je ne connaissais pas Sandy avant. J'ai choisi Sandy parce que j'ai aimé la vidéo qu'elle m'a envoyée, les vidéos qu'elle m'a envoyées. Et en plus, par hasard, elle me raconte que c'était son anniversaire, c'était ses 50 ans. Donc en plus, ça fait un double plaisir pour moi parce que j'ai l'impression de participer un petit peu à ton anniversaire. Et en même temps, je fais un gros bisou à toute ta famille. J'imagine qu'ils nous regardent. Voilà, je les embrasse très très fort. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quelle chanson tu as choisi pour notre duo? Alors, dans les choix de chansons, j'en avais trois et une particulièrement que tu as chantée récemment avec Laetitia Milo, qui est loin d'ici. parce que cette chanson, en fait, voilà, elle va bien dans la circonstance d'aujourd'hui, personnelle. Et en fait, voilà, j'ai choisi cette chanson-là. Et bon, je ne suis pas une chanteuse, loin de là, mais je te suis depuis des années, je suis fan. Et en fait, elle me touche profondément, cette chanson-là. Bon, tant mieux, ça tombe bien, parce que tu es prête, on va la chanter. Ouais, j'espère que ça va le faire. Je me suis entraînée toute l'après-midi. Alors écoute, surtout. Elle ne va pas se lâcher. Ce qui est important, Sandy, ce qui est important, c'est ce que je t'ai dit au téléphone, c'est que on est là pour essayer de se distraire tous. Il faut que tu te mettes pas de pression du tout, et il faut surtout que tu prennes beaucoup, beaucoup de plaisir, et que tu as déjà cette sensibilité dans ta voix, donc tu n'as pas besoin d'en rajouter, et ça va très, très bien se passer. Voilà. Donc, on va dire que j'ai un très très bon coach aussi. Je te fais un gros bisou, je te souhaite bonne chance. Je nous souhaite bonne chance. Merci. Et puis voilà, vous allez voir donc les amis, ce soir c'est Loin d'ici avec Sandy. Voilà, merci. À tout de suite. On se parle après. Hein. Là on chante, mais après on se parle. Okay. Allez, c'est parti. Ça va. Et plein d'or.
Bravo! Génial, mais génial! On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Écoute, j'ai regarde C'est sur pas à peu je près vois. bien, juste en fait, c'est toi aussi le porteur qui est vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, tu as déjà plein de fans. Je vois plein de super témoignages te concernant. Il y a plein de cœurs. Bravo Sandy, exceptionnel. Donc ça y est, Sandy, tu es récompensé vraiment là. Tu as tout le monde. Tu as réussi à charmer tout le monde. Ah, c'est un petit peu figé. Je crois que Sandy, c'est l'émotion. Ah, ça revient un petit peu. Tu ne m'entends pas? Je coupe et je relance. Ok? Je coupe, je relance. Désolé les amis, Facebook, je vais couper. Hop là. Voilà. Et je vais relancer parce qu'apparemment il y a un petit bug. Donc c'est pas grave, ça va repartir. Et puis on va retrouver notre ami Sandy tout à l'heure. Voilà, là je suis rien pour vous, ami Facebook. Bravo Sandy, bravo, bravo. Tout le monde dit bravo. Ça cartonne, elle cartonne, Sandy. Bravo pour ce beau duo, elle a assuré Sandy de Nathalie Laroche. Super bravo Sandy, Vincent Bernadette, Neff. Sylvia Lopez, magnifique. Voilà, Sandy, il faut que tu me relances un petit message pour que je puisse te réinviter. J'aimerais quand même qu'on puisse te dire au revoir et surtout j'aimerais te féliciter. Ça y est, tu peux te lancer dans la chanson. T'as déjà plein de fans. je trouve que ça s'est super bien passé et que vraiment tu as vraiment assuré grave, comme on dit. Alors, je vais essayer de me reconnecter avec toi, mais bon, écoute, je ne sais pas si je vais y arriver. En tout cas, je vais passer Mamoun. Les amis, sinon, c'est pas grave, je vais enchaîner. Sandy va nous rejoindre peut-être pour la fin. Je vais avoir passé un ou deux messages de sa part. Sinon, je vais enchaîner sur la deuxième chanson, car vous savez qu'il y a une deuxième chanson. Donc, la deuxième chanson, oui, je voulais vous préciser pour Loin d'ici, parce que c'est vrai que j'aime bien raconter l'histoire autour de cette chanson. Comme vous le savez, Loin d'ici, c'est une reprise. Ah, là voilà, Sandy, hop là. C'est une reprise d'une chanson de Dalida qui a été pop-opéraïsée, on va dire, si je peux. Eh ben voilà, elle est de retour. Non, je voulais pas qu'on se quitte comme ça, Sandy, parce que vraiment, je voulais te féliciter, t'applaudir. Et je sais pas si t'as Merci à entendu, toi mais maintenant. c'est bon, tu peux te lancer dans la chanson. T'as plein de fans déjà, hein. Ils ont tous envoyé des cœurs. Bravo, Sandy. Bravo, bravo. Donc voilà. Ça y est, c'est bon, il y a une C'est carrière. gentil. C'est gentil et franchement, tu sais que je m'en souviendrai que c'est 50 ans en fait. Parce que ouais, t'es là, t'es porteur de bonheur, surtout dans ces circonstances, quelles que soient nos situations familiales et en fait notre état de santé aussi, hein, malheureusement, Ouais. mais tu nous apportes énormément et ce moment restera vraiment un moment mémorable dans ma vie. Tu m'avais laissé cette chance de pouvoir de chanter avec toi et comme je te disais ce matin, je suis un petit grain de sable parmi tant d'autres. Et ce petit grain de sable, bah, il t'a sensibilisé à travers mes vidéos et je n'y croyais pas, je n'y croyais plus. Je te suivais comme tout le monde sur les lives en attendant. On me dit, bon, bah, je l'ai fait, mais voilà. Oui, comme je dis, alors tu dis un petit grain de sable, mais en fait, moi, qu'est-ce que je t'ai répondu ce matin? Je t'ai dit, il n'y a pas de petit grain de sable, il n'y a que des plages. Voilà, donc écoute, vraiment, je voulais te remercier et pour ta sincérité, ta spontanéité, t'as vraiment super chanté. Et je te dis, j'espère à très bientôt, peut-être sur les routes de France. Et je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Je te fais un énorme bisou.
Bisous. Bisous. Voilà les amis, on va revenir, on va reprendre le cours. J'espère que ce petit duo vous a fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le chanter. Et donc, la chanson qui va suivre, c'est... oui, donc je vous disais, j'aime bien raconter l'histoire autour d'une chanson. Et Loin d'ici, c'est donc une reprise de Dalida, qui elle-même l'avait reprise. C'est une chanson italienne à la base. Dalida en avait fait une reprise. Eh bien, moi, j'ai repris cet air de Dalida. On l'a pop-opéraisé. Et puis, j'ai écrit la version française. Voilà, la version italienne existait déjà. Et puis on en a fait, vous connaissez l'histoire avec Laetitia, j'ai entendu dire que Laetitia voulait chanter, moi je cherchais une voix remplie de sensibilité, charmante, et j'ai tout de suite, ça a tilté, j'ai dit pourquoi pas Laetitia, et elle a accepté, et ça a donné Loin d'ici. Loin d'ici, qui je rappelle, est extrait de l'album Ténor, voilà, qui est mon dernier album en date. Ensuite, je vais vous chanter une chanson qui est extraite de mon album Tango. Voilà, je vous rappelle la petite anecdote. Cette chanson, elle s'appelle Quemas. Je ne l'ai jamais chantée encore. Vous me l'avez beaucoup, beaucoup réclamée. Quemas, j'ai écrit les paroles. C'est en français et espagnol. J'ai écrit toutes les paroles et j'ai co-composé la musique avec mes amis les Sky Dancers, que j'embrasse très fort si ils nous regardent. Donc deuxième chanson, c'est Quemas ce soir. Et ne cesse d'imaginer nos corps. Tu t'expliques, je t'explore. C'est l'intox, inexorable sort. Quemas, mi amor, que pasa con mi vida. Si el cielo me pide paciencia, no me olvidarás, por favor, ¿qué más? Tus éclairs et retour au point mort qui de nous deux adore. Je te cherche et te tord, c'est l'extase féminin, sexe fort. Tu me blesses et j'en mords. La poussière serais-je mise à mort. Tu me chèvres sans remords. Mon amour, mi amor, qui sera matador. Quemas, mi amor, que pasa con mi vida. L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Quemas, mi amor, que pasa con mi vida. Ne suffit pas.
Voilà les amis, c'était Kemas. J'espère que ces deux chansons vous ont fait plaisir. Donc je rappelle, il y a eu un duo pour ceux qui nous rejoignent peut-être en cours. Il y a eu un duo donc avec Sandy qui a gagné le concours en duo avec Niklo. Je vois que ça vous plaît énormément. Donc on va recommencer très très vite. Vous pouvez continuer à envoyer vos vidéos, toujours en démarrant avec ce hashtag en duo avec Niklo. C'est ce que vous écrivez en premier dans les messages privés sur Facebook. Voilà, en message privé sur Facebook, vous mettez ça et ensuite vous joignez votre vidéo et vous ferez peut-être partie eh bien, de ceux qui chanteront avec moi les prochaines fois parce que je trouve ça super amusant. Et puis c'est toujours très touchant de vous avoir au téléphone. Ah, hop là, on va redémarrer. Décidément, Instagram est très capricieux alors que Facebook marche très très bien. Oui, je disais, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui vous connaît au téléphone et puis bah, essayer de lui faire plaisir. C'est toujours super, super gratifiant en fait et ça fait du bien. Voilà, on va passer à vos dédicaces, ceux que vous m'avez envoyé, ceux à qui vous voulez faire plaisir. On va commencer par Kamala and Forever. Kamala and Forever. Vincent, quelle star rêverais-tu de rencontrer? Alors, comme ça, à froid, il y en a plein, mais j'ai une fascination pour Meryl Streep. Je trouve que c'est une actrice incroyable. J'aimerais bien la rencontrer parce que je la trouve super intelligente, super talentueuse. Je pense qu'elle a mille choses à raconter. Et voilà, je sais pas. Sinon, j'aimerais bien. Il y a des disparus. J'aurais adoré rencontrer Maria Callas, Pavarotti. Toutes sortes de stars qui ont une carrière incroyable, ça me fascine toujours autant. Karine Drubini, ben on lui fait coucou, c'est Karine qui avait gagné aussi le premier concours. Petit s'il te plaît, chanter Vivre d'espoir et Memory de Barbara Streisand. Eh bien oui, je vais essayer. Memory n'est pas dans mes cartouches, mais Vivre d'espoir, je peux le faire, je le marque tout de suite. Des bisous Karine, on t'embrasse très fort. Pascal Buyens, pourriez-vous faire un gros bisou pour ma nièce Muriel et Serena? Alors, on fait un gros bisou à Muriel et Serena de la part de Pascal Buyens. Voilà, on vous embrasse les filles, gros bisous. Tovin Annick, je dédicace une chanson, L'envie de vivre, à la famille Niklo et à toi Vincent. Eh bien, merci beaucoup et on embrasse très fort la famille. Prostakova Yulia. Est-ce possible de prendre l'interview avec vous après le confinement pour les fan clubs russes? Ah oui, ok, d'accord. Est-ce que je pourrais faire une interview pour le fan club russe après? Yes, Yulia, I'm talking to you with my pleasure. Ok, we can do the interview after the lockdown. So you can contact me on my private message on Facebook and we will do it. Thank you for asking. Only guy, greetings from Las Vegas, lovers, I loved your opera the other day, thank you very much. Donc ça c'est quelqu'un de Las Vegas, thank you very much for writing, I don't know your name exactly, only guy, I hope it's the right pronunciation, thank you for writing and we will do another opera night on Saturday, next Saturday. Voilà, il disait qu'il aimait la soirée opéra. Et je vous le rappelle, on a donc samedi, au passage, Nick l'Opéra qui redémarre. Vous pouvez faire vos suggestions de chansons. Et je ne manquerai pas de les chanter. Ici, c'est dédicace à ma... C'est Sissi... vous savez, Dissi Sac. Dédicace à ma petite fille Anaé qui vous entendait déjà dans mon ventre et qui a Ameno comme berceuse. Bah, comme berceuse, on fait mieux avec Kameno, hein, la pauvre, elle n'a pas dû. Pour s'endormir, il y a quand même un peu mieux. Mais ok, super. Eh bien, on vous embrasse. Je vous embrasse toutes les deux, Sissi et Anaé. Ici, c'est « Est-il possible de souhaiter un bon anniversaire à Sergine, cuisinier, et faire de gros bisous au reste de la bande. Merci d'avance. » Et ça, c'est Adeline Beauvais. Eh bien, on fait un joyeux anniversaire à Sergine. Je crois qu'il y a un petit peu de retard, désolé. Mais même si c'était il y a 2 ou 3 jours, eh bien, on lui fait un gros bisou pour son anniversaire. Eh bien, nous t'écoutons en espérant que ce confinement se terminera bientôt pour aller te voir en live. Bisous du Liban.
C'est Jana Toumi. Eh bien, on embrasse très fort, j'embrasse très fort le Liban aussi. On leur fait tous un gros coucou et des gros bisous à Jana. Je vais peut-être prendre des petites questions en live comme ça. Alors, sache que je connais. Pardon. Ah, il y a eu des problèmes de son, chouchoute, du 14, du 44. Oui, je sais, il y a eu un petit problème de son, mais on a redémarré et là, apparemment, ça marche. C'est Camille G1207, dédicace à mes collègues kinés. Eh bien, on embrasse tous les kinés de France. C'est vrai que eux aussi sont confrontés de très près au virus. Ici, c'est Véronique Lowers. Peux-tu souhaiter un bon anniversaire à Marie-France Boulanger? Eh bien, joyeux anniversaire, Marie-France Boulanger. Véronica Jablonska, ta musique sera-t-elle disponible partout dans le monde? Il n'y a pas tout qui est disponible. Et d'ailleurs, même sur les réseaux ici, j'ai pas mis encore tous mes albums. Mais on est en train de travailler dessus. Et oui, normalement, toute ma musique va être disponible d'ici l'année prochaine. Une dernière petite question, les amis. Marsha Delia, vous ressemblez à un Espagnol. Eh bien, ok. Qué bien. Me gusta. Vincent, ferez-vous une date au théâtre du Châtelet durant votre prochaine tournée et finirez-vous votre dernière date sur Paris? Brigitte Sanariène. Alors non, il n'y aura pas de Châtelet dans ma prochaine tournée en 2021. Donc je rappelle, c'est mars, avril, mai. Et je finirai une date sur Paris, mais je ne peux pas vous dire encore où. Voilà. Je peux simplement vous dire que c'est une salle que j'ai jamais faite. Voilà, je vous fais un gros, gros, gros bisou. Vous n'oubliez pas, à 20h, on applaudit nos personnels soignants. Et puis, ben merci d'être toujours là. Et j'espère que cette soirée vous a fait vraiment plaisir. Je vais reprogrammer en duo avec Niklo très prochainement. Samedi, c'est Opéra. Et puis, je vous réserve pas mal de surprises pour la semaine d'après. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et portez-vous bien. Faites attention. Restez à la maison. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.